salut tout le monde, c'est Lam Morrison, je suis avec le frérot Fayazer. Ça a dit quoi mon gars? Ça va, tranquille, la forme. Bienvenue dans mon checks, 3 mars, au tampon, la réunion, le soin indien nous représente à mort. Ça tue, ça fait plaisir frérot. Déjà avant tout, je te laisse te présenter aussi. Ben voilà, Fayazer, artiste dans le Malotrap. Malotrap, c'est un new style, dans de la trap music avec du Maloya, la musique traditionnelle de chez nous, tu vois. Kafka freine la réunion ça. Devant un galop il court pas. Il plie pas la queue à TLA. Il démonte à OATLA. Justement, explique-moi plus ça. En plus, je vois que t'as l'instrument qui va avec et tout. Kayom, moi, ça c'est. Montre-nous un petit peu, c'est comment. Ça c'est une Kayom. Ouais, c'est fait avec des fleurs de canne. Dedans il y a des graines de conflore. C'est une plante endémique de la réunion, tu vois. Et ça, je joue en live avec, tu vois, quand je vais en tournée. Mon caillon, il me suit partout, tu vois. Et du coup, Malotrap, explique c'est comment? C'est toi qui est le précurseur de ce style un peu, c'est comment? Ouais, il y a eu de grosses polémiques là-dessus, mais en vrai de vrai, j'ai rien inventé, tu vois. Mais voilà, c'est, on était là au commencement. Donc là, ça prend de l'ampleur et c'est ce qu'on voulait, tu vois. Parce que les gars ici mettent leur culture en valeur, tu vois. D'arrêter de pomper les autres. Quoi. Nous, on sait faire, on a une culture, une valeur à défendre, c'est le Maloya. Et nous représente ça à mort, dans le Malotrap, dans plein d'autres styles. Après, est-ce que tu devais expliquer un peu ce que c'est le Maloya pour les Français, les étrangers qui ne savent pas forcément c'est quoi? Maloya, c'est musique traditionnelle de la Réunion, de l'île de la Réunion. Et c'est la musique des Noirs, c'est la black music, tu vois, la musique des esclaves. C'est souvent des textes qui représentent ça. Et moi, dans mon Malotrap, justement, ça parle de tout ça. Ça parle du vrai vécu, le tiati à la rue, tu vois. Comme je dis souvent, c'est entre le carreau de canne et la street, tu vois. Et justement, toi qui parles de ça dans tes sons, elle est comment la street à La Réunion, on va dire? Il y a quoi de différent ici? C'est comme en métropole, hein, frère. On a tout qui a été drogue, on a tout qui a été business. C'est pareil, sauf que voilà, il y a la mer, la montagne. Il y a beaucoup de détournements de fonds. Oh, t'as du monde à nous présenter aujourd'hui un petit peu. T'as ouais, là, Manu avec mon petit frère, Gabriel, il fait du Muay Thai. Ah, viens, on va aller le voir. Ouais. Gabriel, c'est mon petit frère, le dernier. Salut. Il est dans la boxe Muay Thai, casse un peu deux, trois mâchoires. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es dedans, toi? En vrai, ça fait 6 ans, là je suis sur blessure, je suis cassé la main, dernier combat, là c'est la reprise vite fait, là quoi, j'ai fait quelques petits combats, j'ai déjà été champion de la Réunion. Un champion, le champion. Voilà. T'as déjà fait des combats un peu en dehors de la Réunion quoi? Non, j'ai eu l'opportunité mais malheureusement je suis blessé juste avant d'y aller. Ah ouais, c'est après combien de temps de te remettre une sur la main comme? Et ça ben ça franchement ça a pris vite, on va dire un mois et demi. Ouais. Ça va là, j'ai repris vite fait. C'est bon, je peux repartir. Du coup, dans la famille, il y a des chanteurs, des sportifs, il y en a d'autres qui ont des talents ou quoi? Ben, l'un des deux frères, mais on a déjà un frère, il est décédé justement dans un accident de voiture par rapport justement à la street même. Ben, voilà, perd son âme. Ben, voilà, là, c'est le dernier, lui, il représente. Après, voilà, il y a des potes, il y a les frères, j'ai mon guitariste qui joue avec moi en live. Viens nous le montrer, viens nous le montrer. Naïm Maroner. Mon guitariste, c'est un auteur aussi, compositeur. Et lui, il est avec moi sur toutes les tournées. Et on doit partir en Afrique d'ailleurs, bientôt, en tournée. On a 3 festivals à faire. Dans quel pays? En Afrique du Sud, Swaziland et Maputo, Mozambique. Ouais. Après, on finit sur le Sakifo, ici, tu vois. Donc voilà, Naïm Maroner, c'est à la guitare, en live. Et ouais, il pose aussi, ouais. Après, on a Bonne Frère. Les Darkours, c'est des frérots de longue date, tu vois, ça, la famille même. Ils suivent. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble, vous deux? Tu sais, depuis que Maroni de La Réunion, j'habitais en France. J'ai fait 7 ans là-bas, tu vois. Je visitais un peu partout, j'habitais un peu partout. Et ça fait à peu près, je sais pas, hein, combien de temps Maroni là? Mais 10 ans, non? Au moins 10 ans que Maroni. Et voilà, depuis que Maroni, j'ai créé ma petite équipe. Et voilà, pour noyau solide, tu vois. Ici, on a fait un clip, je ne connais plus le titre, mais on a fait un clip TLA, je crois que c'était avec Kid Flash et Jay Wisser. Tabaclac, je crois, ouais, ça. Un son trap, tu vois.
Après, j'ai tourné plein d'autres clips. Et puis, cette cité, c'est là où j'ai grandi, tu vois. C'est ici que je fais. Je suis bagarré là, je fais tout ici. Raconte-nous un truc qui est arrivé ici, une anecdote, que ce soit par rapport à la musique ou aucun rapport avec la musique. Tu sais, là, le truc qui vient en tête, c'est. Tu sais, avant, quand j'étais jeune, j'étais en moto et tout. Je suis rentré là avec mon pote à l'arrière. Et il y avait voilà les GPN qui marchaient avec mitraillette, machin. On a faufilé honte comme ça, on s'est cassé. Mais voilà, j'en délire ici, tu vois. C'est ça, ouais. Le berceau, tu vois. Il y a d'autres artistes qui viennent du tampon, quoi. Ouais, il y a pas mal. Il y a Belle, Café, Renaud. C'est un gars du Maloya, tu vois. Il y a Kevin Renaud aussi, un petit cousin à lui. D'ailleurs, il y a son tonton qui est là, tu vois, Mike. Dans la cour, voilà, Diffman, Kevin Renaud, il y en a une marronnière là qui est avec nous. Après, voilà, il n'y a pas des masses non plus, hein, je t'avoue. Après, il y a dans les autres villes, tu vois, où Terrain Fleury, Lazac, ailleurs, il y a des autres quartiers, il y a pas mal aussi. T'as vu là, c'est la première vidéo que je fais au tampon, j'étais jamais venu au tampon auparavant. Trois mars, bienvenue mon ref. Merci, hein, je sens qu'il y a des trucs différents au tampon qu'il n'y a pas ailleurs, des trucs que tu retrouverais que ici et qu'il n'y a pas ailleurs dans la Réunion. Par exemple, je sais pas, mais le gap, et il peut y avoir plein d'autres choses. Ici, on est réputé, tu sais pourquoi, pour la weed, tu vois. C'est comme ça, dans les hauts, t'as de la bonne, quoi. Mais la quoi, t'as eu, bon, après, moi, je sais pas, je fume pas, mais la quoi de différente en France, de celle de France, celle des autres pays. Après, je t'avoue, tu vois, la Réunion, ça a changé, tu vois. C'est genre, il y a beaucoup de variations qui viennent de là-bas, tu vois. Il n'y a plus vraiment la souche d'ici, le vrai Zamal, tu vois. Donc, on fait avec, tu vois, on mélange. Bon, sinon, frérot, comme on a dit, toi, t'as toujours été d'ici. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir que t'as eu dans ce quartier? Tu sais, ici, avant, c'était les joies de l'an, les joies de Noël, tu vois. C'est genre, toute la cité se réunissait, tu vois. On faisait le tour de la cité ensemble, la fête, c'était la joie, tu vois. Mais ça, c'était à l'époque du franc, tu vois, c'était une vieille époque. Et à cette époque-là, c'était comment la musique à La Réunion? C'était pas aussi. Non, c'était pas développé. Tu sais, moi j'ai commencé dans ma petite chambre, j'ai passé devant la maison où j'ai grandi. Tu sais, ici c'était pas comme ça, tu vois. Il y avait plein de gens en moto, plein de gens sur la route, tu vois. Et on a quitté la cité, tu vois. C'est ça, hein? Ah ouais, faut se barrer. Justement, la musique ça t'a apporté quoi? Ça a permis de changer quoi dans ta vie? Ah, ça m'a permis de voyager, tu vois. Ouais. Bah t'es allé où, tiens, par exemple, pour commencer? J'ai fait une tournée à Madagascar. C'était une tournée d'une semaine, tu vois. Très bien passé, rencontré des superbes gens. Et là, je reviens de Maputo, à Mozambique aussi. On repart aussi là d'ailleurs. Après, ouais, j'ai fait Marseille, Paris, Toulon une fois, j'ai fait aussi. Et du coup, ça t'a apporté quoi d'autre, on va dire, la musique? Est-ce que je t'avais coupé dans ton élan là? Ben, en vrai, ça m'a apporté, ouais, des tournées, ça m'apporte de la maille. Pas beaucoup, mais voilà, on fait ce qu'on peut, mais voilà, je ne me base pas là-dessus non plus, je fais autre chose. Sinon, ouais, frère, c'est. Moi, j'ai grandi là-dedans, quoi. C'est de base, c'est comme ça. La musique, Maloya. On a joué au Maloya dans cette cité. On était tout jeunes, tu vois. Et le Maloya, ça se fait encore un peu à La Réunion, quoi. Enfin, on voit de moins en moins, tu vois. C'est comme les gens avant. Ils avaient des herbes sur la tête. Ils allaient chercher à manger pour les animaux. Tu sais, on voit plus trop ça. Ouais. On voit plus, même, tu vois. C'était là où j'habitais. Ah, t'habitais ici, ouais. C'était pas du tout comme ça. Il n'y avait pas ce portail. C'était pas comme as, tu vois. C'est là que t'enregistrais les premiers trucs et tout. Le premier truc, c'était ici, tu vois. Ça va. Là, on jouait là. Il y avait les gens qui calaient là, tout le monde. Voilà. Cour, le commencement du Fayazur. En plus, si vous êtes situé plutôt de quel côté de La Réunion, parce que je vois que la mer là-bas. Ben là, on est dans les hauts. Ouais. Comme je t'ai dit, tu vois, dans les hauts, il y a le. Le good quality. Tout à l'heure, on parlait, je te disais, ça t'a apporté quoi et tout. Tu m'as dit de la maille aussi, mais ça, c'est secondaire. Ouais, c'est-à-dire, gros, à la base, on a fait pour le partage. Il y a un frérot qui m'a dit à Saint-Louis qu'il y a plus en plus de jeunes à La Réunion, ils commencent le rap pour être connus, pour gagner des sous. Ils voient ça comme un moyen de gagner des sous, plus que comme une passion. T'en dis quoi, toi? Moi, je dis qu'ici, c'est tout petit, tu vois. C'est un grain de sel, frère, un bocal de sel, frère. C'est pas vrai, ça. Tu vois, on fait pas carrière à La Réunion, en restant à La Réunion, on vit de la musique. Non, il faut aller exporter. C'est un grand travail. On travaille plus que les gens, tu sais, ou des Antilles ou d'ailleurs, tu vois. Parce qu'en vrai, eux, ils sont déjà installés dans le milieu national.
genre avec Kassav ou plein d'autres. Mais nous, voilà, on arrive, même nos anciens, et c'est que maintenant qu'ils sont mis en avant, tu vois. Et nous, ben voilà, on ramène ce qu'on peut, tu vois. Du coup, gagner de la visibilité ici, c'est dur, hein. C'est compliqué, mais tu vois, soit tu dois faire un Zouk Love ou un truc qui vient près de chez nous, tu vois. Tu fais ça, ouais. Peut-être tu vas tourner en boîte de nuit, machin, mais moi, c'est pas mon délire, tu vois. Moi, c'est festival, voyager, rencontrer d'autres cultures, apprendre, partager, revenir ici et distribuer, tu vois. C'est ça, le truc. Là, en vrai, on arrive dans la maison de mon pote. Et genre, ici, on jouait au Maloya quand on était petit, tu vois. Là, sous ce poteau de lumière, enfin, ce qui en reste, tu vois. Et c'était là, on ramenait les instruments là. Le fils à petit Maurice, Bastien, il venait ramener des instruments. Et là, on était là, on jouait dans le noir, tu vois. En vrai, cette cité, tu vois, si tu regardes bien, il n'y a jamais eu de poteau. Tous les poteaux, ils sont cassés, tu vois. Ouais, comment ça se fait? Même là-bas, tu vois. Ouais. Comment ça se fait, gros? Bah, depuis tant petit, ça, tu vois. Ah ouais. Ça a jamais remis, on n'a jamais remis de lumière dedans, tu vois. Enfin, ouais. Sinon, tu m'as dit quand tu étais petit, ça jouait au Maloya, tout ça, ouais, etc. Est-ce que tu trouves la nouvelle génération ici? On va dire, ils respectent les coutumes, mais déjà les traditions réunionnaises. En vrai, c'est pas assez éduqué, c'est pas assez appris, pas assez mis en avant. Où c'est mal dit, c'est mal éduqué, tu vois. Donc ils apprennent des trucs, ça vient pas de chez nous non plus. Voilà, donc non, il y a un gros travail à faire là-dessus. Y a un gros travail, genre. Et c'est pour ça, tu vois, je fais du mal au trap. C'est que je veux montrer au monde entier, tu vois, que Maloya, quoi. Et même, j'ai remarqué, il y en a beaucoup dans les jeunes, là, ils sont influencés par... Tu vois, tous les jeunes qui se lancent dans le son, il y en a beaucoup qui sont influencés par la métropole, il y a même les rapports français et tout ça. Et j'imagine que c'était pas le cas à l'époque, non? À l'époque, c'était influencé quand même, tu sais. Il y avait quand même la radio, on écoutait du son, il y avait les cassettes. Moi, mon tonton, il venait me passer du NTM, des trucs comme ça en cassette, ou des Fugees. Il y avait toujours cette culture, mais là, maintenant, ouais, il y a plus de son, plus... Tu sais, il y a Internet, mon frère. Ouais, logique, hein. Il y a tout niqué, frère. Et justement, est-ce qu'il y aurait un jeune artiste à La Réunion que t'aimerais mettre en avant, toi, un qui t'a tapé dans l'œil, on va dire? Si, Miguel, pas dire, oh, je pourrais pas te dire, hein, en vrai. Je pourrais pas trop te dire. Un artiste qui doit mettre en avant, t'es, m'y connais pas. M'y connais pas. Alors, frérot, on arrive de quel côté du quartier, là, maintenant? On arrive de l'autre côté de la cité, tu vois. Trois Mars même. Mais voilà, c'est... La cité, ben, l'autre cité, des frérots. Hein. T'as tourné quelques trucs un peu ici ou pas du tout? Ici, non, pas encore. Pas encore. D'ailleurs, il faudrait m'y tourner là aussi. Mais ouais, c'est un côté que, tu sais, si tu connais pas trois mains, tu viens pas là. Tu vois. Ouais, côté caché. Hein. Ouais, un peu côté caché, tu vois. Explique-nous un peu quelles autres villes, quels autres endroits on voit d'ici pour ceux qui ne connaissent pas trop La Réunion. C'est ben, pas le plus simple, je vais te raconter une histoire. Tu vois. Moi, quand j'étais petit, on allait à la rivière à pied. Depuis cette cité-là, on passait par cette cité, on descendait derrière. Derrière, tu arrives au Dassi, tu vois, par les champs de canne, tu vois, t'as des champs de canne. Tu vois. Et je sais pas si tu vois là, mais la grosse crevasse là, ça c'est la rivière. Et il faut descendre encore, donc tu vois, c'est haut, c'est loin, tu vois. On y allait à pied, on descendait à la rivière, l'entre-deux, là, le bras de la plaine. Là. On allait se baigner, remonter, allez, on rentre dans la cité. Quoi. C'était comment ton enfance ici, toi? C'était mouvementé. Hein. Ouais. Il y avait plus de gens, comme je t'ai dit, sur la route, plus de meufs aussi, pas que des gars. Quoi. Il y avait des meufs, des gars en moto. Ouais, ça a beaucoup changé, beaucoup calmé. Tu vois. Comment ça se fait selon toi? Ça s'est calmé un peu? Ah, bah, même les petits, on ne voit pas les petits non plus. Bah, les petits, ils sont plus trop là, hein, frère. C'est pas comme avant. Avant, c'était genre de culture. Tu sais, tu sors d'école, vas-y, on va voir les potes devant la cité. Mais maintenant, c'est pas trop ça. Mais tant mieux, tu vois, parce que ça amène pas grand-chose non plus. Mais c'était un délire, de l'ambiance, tu vois, d'époque. Moi, j'ai kiffé. En tout cas. Dis-nous, présente-nous un peu. Il y a que des gars du tampon ici ou quoi? C'est un peu des gars, oui, pas tampon, pas que la région, voilà. C'est ça, hein. Mais là, on a les gars, la ville, boulevard, Paramount. Et là-bas, à côté, Rasponto, BDP. Et là, on a les gars, Trois Mars même. Wesh,
Ouais, voilà quoi. C'est ça. Hein. Ouais. Bonne série, bonne dada. Voilà. Bon, frérot, sinon, à part ça, les projets aussi, toi, ça, tu crois quoi? Préparation de deuxième album. Ouais. Voilà, je dis pas le nom encore, mais voilà, il y a au moins 14 titres. Et voilà, toujours du malo trap, mais plus ouvert, avec d'autres styles, tu vois. Tu m'as dit que tu as mélangé le maloya avec d'autres. Du jersey maloya, ouais. Du lama piano maloya, tu vois, ce genre de bail. Et le premier album, il est sorti quand du coup? Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, je crois. Ouais, quand ça en pierre marron. Comment ça se fait que t'as attendu 2 ans avant de ressortir? Bah, en vrai de vrai, je m'attendais pas en fait. Il y a un mec qui arrive en bécane, il y a 2 gars. Ça aime bien les motos au tampon quoi. Ouais, ben moi-même j'avais des motos, tu vois, mais c'était avant, je laisse ça pour la jeunesse, tu vois. Ouais, c'est ça. Avant, c'était tous les soirs comme ça. Tous les soirs. Tout le temps. Et... Ouais. Maintenant, c'est calme. Là, si on vient pas faire une interview, c'est calme, là, frère. Bon, sinon, frérot, dernière question, la même dans chaque vidéo, tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Équipe de foot, genre national. Peu importe. En vrai, même ils suivent Mbappé, voilà, c'est tout. C'est déjà bien. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on suit? Insta. Fayazur, Instagram, ouais. Facebook, YouTube, Spotify, Fayazur. L'album, premier album, toujours disponible sur les plateformes. Deuxième qui arrive. Tout est bon, frérot. En tout cas, merci beaucoup, gros. Merci à mon ref. En tout cas, c'était big up dans ce que tu fais, ce que tu fais. C'est lourd. Continue comme ça. Merci beaucoup. On est ensemble. La façon ta tête, les filles traînent ta bête. Tu crois qu'ils lèvent ta fête, ils rôdent piment et poivent ta lèvre. Les gays pas sommeil, gays pas doudou. Bien c'est pas le rhum si les jojo. Sans conquête de si le moto. Ils m'ont dit descendre dans le ghetto. Le tarot Zameli va bouger. La prod n'a qu'à s'en dénabourer. Demande le check de Samuel. La prof est semblant qu'on arrive. Le sac c'est plein à tapiller. Le sac c'est plein à tapiller. Les rodes n'avaient trop d'infusé. Les rodes n'avaient trop d'infusé. Rentre en glisse de bas. Rentre en glisse de bas. Il rentre en glisse de bas.